regardez là, la signature, Al Uderzo. C'est devenu une vedette pour moi, et je ne me doutais pas que quelques années plus tard, eh bien, je l'aurais rencontré. Il est venu à Bruxelles avec ce cher ami René Goscinny. À l'époque, il n'avait pas la Ferrari, il avait une Corvette décapotable, je crois, et qui avait la particularité de lui laisser dans la main son levier de vitesse. Il se baladait dans Paris décapoté en brandissant son levier de vitesse. Autre particularité de la voiture, elle gardait toute son huile devant l'hôtel Métropole. Il était donc venu à Bruxelles avec René Goscinny. C'est là que nous sommes connus, que nous sommes devenus et restés de bons amis. Place de Brouquet. Place de Brouquet, exactement, à la World Press. Bébert, j'ai néanmoins quelques reproches à te faire. Eh oui. Tu as déclaré un jour à un journaliste qui te demandait si tu n'aurais pas aimé faire une voiture, une histoire de course automobile. Tu as répondu, ah oui, mais mon copain Graton l'a fait. Eh bien, je regrette. Parce que si tu avais fait une histoire de course automobile, moi j'aurais fait Astérix. Maintenant, c'est une blague parce que je n'aurais jamais été capable de le faire. Cela dit, pour terminer, je vais te dire, bébé,